Bonjour à toutes et à tous, ici les Tukwazi et moins de la folie, bande de Nyamanguru. Alors aujourd'hui, partie numéro 3 de c'est quoi, Jacob, aujourd'hui? On va demander aux gens combien coûtent leurs vêtements. Voilà, leur sap, voilà, on aime les sap. Sap. Bon, c'est parti. Laisse tourner. C'est quoi ta chaîne? Bonjour, comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va. Très bien. Oui, très bien, merci. Salut frérot, comment tu vas? Oh, très bien et toi? Très bien, mon frérot, tu vas bien? Ouais, il faut. Donc, t'es sapé comme jamais aujourd'hui, hein? Ah, sapé comme neve. Du coup, salut, comment tu vas? Bien et toi? Très bien. Ouais, super. Voilà, donc simplement, j'aimerais savoir combien coûtent tes habits et la marque. Du coup, tu vas nous dire le prix de tes habits. On va commencer d'abord par le chapeau. Combien le chapeau? Oh, le chapeau, tranquille, 20 balles. 20 balles, ok. Ensuite, ta belle veste là, combien? Ouh, non, ça, c'est un level ça. Combien? Je vous le dis, 900 euros. 900 euros, propre la veste, hein, propre. Merci. Dis-moi ensuite ton t-shirt là, il y a un petit logo en plus. Hein. Ah, ça c'est ma marque BJAD, Black John Ambition Dune. Ok, donc allez follow sur Instagram, ça marque aussi, c'est important. Hein. Ok, du coup tu vends à combien le t-shirt en vrai, sur ton site? 25 balles. 25 balles, ok, 25 ouais. balles. Ensuite, ton pull, combien? Le pull? Ouais. Oh là là, 45. 45, ok. Ensuite, ton jean? Ah, mon jean, c'est un jean normal, mais... Customisé, comme on dit, à la BJAD, tout ça et tout. 35. 35. Et ensuite, bon, ta belle paire de Balenciaga, combien? Je dis pas le prix, ouais, les connaisseurs voilà. savent. Vous connaissez. Y'a combien? Y'a pas un problème? Ok, d'accord, ok, voilà. Ensuite, c'est bon, tout dit, hein, t'as pas des montres ou des bracelets? T'as pas... Non, moi c'est vraiment all black, vraiment all black, rien hein. du tout, tu vois. Ok, ça marche, frérot. Bon, en tout cas... Merde, du coup ton manteau c'était 50 balles. 50 balles ouais, de chez Pull&Bear. Pull&Bear, d'accord. Ouais. Et ton écharpe, on cherchait. C'est New Look. What? Je crois. New Look. New Look, pardon, excuse-moi. New Look. Ouais. Et le prix déjà, c'est combien? 12. 12, ok. 12. Ton pull. Le pull. Il était en promo chez H&M. 12-13, hein. Pas plus. 12, ouais. Et ton jean? 20 balles, je crois. 20 balles. De chez Forever 21. C'était Adidas. Je sais pas, c'est ma soeur, mais elle a offert. Ouais, du coup, je sais pas. C'est pas? Non, c'est pas. J'sais une fourchette peut-être entre 100 150? Je sais pas. C'est pas du tout? D'accord. As-tu tout ce qui est collier, montre ou bague? J'ai un collier, mais pareil, on me l'a offert aussi. Ouais. Ah, on t'offre plein de trucs, disons. Ouais. Okay. On dira pas comment. On commence par le manteau. Alors Versace. Sérieux? Ah ouais, bien. Versace, ah ouais, combien? Combien tu l'as acheté? Je l'ai eu à 800 au lieu de... Je sais plus. 800 euros, d'accord, ouais. Ok. Ensuite, du coup, ton sac... Givenchy. Ouais, Givenchy, combien? 1500. 1500, ah ouais. Ensuite, ton leggings, du coup. Leggings, non, c'est vite fait. Vite fait? Vite fait, combien? Je sais pas, 20 euros. 20 euros, d'accord. Et ouais. La marque, c'est quoi la marque? Bershka, ok. Ouais. Ensuite, tes baskets, du coup. Chanel, combien? 700, il me semble, 700, 800. 700, 800, d'accord, ok. T'as sinon après des colliers ou des bagues ou quelque chose? Je suis pas du tout bijoux, moi. Bijoux, ok. Non, du coup, ton t-shirt? Alors, t-shirt, ouais. Zara, 5 euros. 5 euros? Ouais. Donc, on passe de 800 euros à 5 euros. Ouais. D'accord, parce ok. Parce qu'en fait, je suis vraiment bien envie de faire. Mais en fait, moi, ce que j'aime privilégier dans la marque, c'est les accessoires. Enfin, tout ce qui est manteau, chaussures. Parce que voilà. Les bracelets, tout ça, non, t'aimes pas trop les bracelets? J'aime pas les bijoux, je porte pas de bijoux. D'accord, non. Ok. Et ensuite, bah, du coup, tes sous-vêtements, du coup? Sous-vêtements aussi, j'aime bien Obad. Quelle marque? Obad. Ok, c'est combien à peu près, tu penses? Obad, c'est peut-être le culotte 80. 80, ouais. Le soutien-gorge dans les 100, 100, 200, ça dépend. D'accord, ok. Ouais. Nickel, bon, en tout cas, je te remercie. De rien. Merci beaucoup. On va reprendre, combien coûte ton écharpe? 30 euros, je crois. 30 euros, ouais. D'accord. Ton manteau? Je l'ai eu en solde, du coup j'ai payé 100 euros. Et 100, prix réel c'est combien? Prix réel, c'était 200. 220? Ouais. 220, putain quand même hein. Ouais. C'est quelle marque ça? C'est COS. COS? Ouais. K-O-2-S? Non, COS c'est C-O-S. C-O-S, ouais. Ok. On voit bien. Nickel. Non, je sais pas. Tu vois, c'est rouge, regarde. Vas-y, go. Ok, on va enchaîner avec ton pull, tu sais. Je sais pas, c'était à une amie, donc je dirais 20 euros. 20 balles, ok. Le jean, noir. 25. 25. Quelle marque, le jean? Le jean, c'est... Je crois que c'est Stradivarius. D'accord, ouais. Je sais pas du tout par contre, mais ouais. Wow, c'est archi long comme truc. Et tes chaussures? Chaussures, 90. 90 balles, ouais. Et quelle marque? Bershka. Bershka? Ouais. D'accord. On va finir avec ton...
C'est quoi ça? Ça sert quoi? C'est un foulard. Foulard, ruban. Bah, ça n'a pas de prix. En fait, c'est à ma mère. Enfin, c'est des foulards du. Elle t'a offert du bled, ok. Ouais. Mais ça a forcément un prix, mais bon, on sait pas. As-tu une montre ou des accessoires, colliers? J'ai des bagues. Ah, ta bague. Combien ta bague? J'ai un collier. Attends, monte ta bague juste. Je sais pas, elle est à combien? D'accord. Je sais pas. Non. D'accord. Moi. Bon, et ton collier non plus? Mon collier, bah, je sais que c'est de l'or. Après, j'en ai. Ah, de l'or, ok. Du coup, j'ai deux pendentifs, mais je sais pas c'est combien. Ok. C'est de l'or pur ou pas? L'or pur, ouais. Du coup, d'après toi, ça fait combien de grammes? Parce que l'or, c'est un prix selon le gramme, le kilo. Bah, je sais pas. Hein. Il se moque de moi, il se moque de moi. Je sais pas, peut-être 10 grammes, je sais pas. Ok, je vais calculer, je verrai sur Google. Okay, merci à toi. Du coup, bah, je vais commencer avec ta veste en jean orange, c'est ça? Le prix, s'il te plaît? Le prix, 39,99. 40. Et quelle marque? Urban Classic. Urban Classic, très précise, j'aime bien ça. Ouais. J'aime bien. Et ton pull? T'as oublié ça. Je sais pas si je peux le dire sur internet. Non, Didi. Non, mais je sais pas, mais je crois que c'est un vieux truc, hein, genre c'est Tati. Tati, ok, et quel prix? Je sais pas, faut alors 5 balles, 7 balles? Ouais, 5, enfin pas cher quoi. Pas cher. Moins de 10 euros en tout cas. Moins de 10 balles, ok. Ton jean? Ça, je sais pas du tout parce qu'il est pas à moi. Il est pas à toi, tu l'as volé? Non. Ah, tu, je sais non, pas, tu l'as volé à ta soeur ou ta copine ou ta je sais pas quoi? Non, il est à mon père. Okay. Du coup, t'as déjà ton daron toi? Non, il me l'a donné. Il te l'a donné? Ouais, du coup. On a aucun prix? Je sais pas du tout ça pour combien. C'était un Marie Kid et François Giroux, je sais pas quoi. Mais c'est une ancienne marque. Ouais, j'ai bugué. Et c'est quelle marque? Enfin, je veux dire, le prix environ, c'est combien ça? Franchement, je dirais entre 70 et 100. Ok, allez. 70 et 100 balles, d'accord. On va passer du coup à tes chaussures. Avec divers drapeaux d'ailleurs. Non, c'est des Air Zoom Spiridon World Cup. Ouais. Nike, la marque. Et prix. Le prix 109. Plus haut. 109 euros, je crois. 109 balles. Ouais. D'accord. Sur BSK. Ah non, t'as pas de collier. Non, j'ai pas de collier. Bague. Non, j'ai rien. Ah, montre, t'avais une montre? J'ai pas de montre. Rien du tout, j'ai une banane. Ah, tiens, ta banane? Ouais. La banane, c'est combien? 12 euros. T'as-tu aussi ou pas? Non, la fripe là. Comment elle s'appelle la fripe jaune? Je connais pas. Un kilowatt. Kilowatt. C'est une fripe. On va finir avec ta ceinture. Ceinture, c'est une Levis. Levis. Et je sais pas du tout le prix. Je l'ai encore volé, du coup, je sais pas. On va dire. C'est bon. Je sais pas, ça coûte combien. Ok, bon, moi c'est pas grave. Merci à toi en tout cas. On va commencer avec. Tiens, on va commencer avec ton collier, le loup. Tu veux le prix? Yep. 25 euros. 25 euros. Ouais, d'accord. Dans une boutique vers Châtelet. 25 euros, bah, c'est quoi? On va commencer avec l'accessoire, du coup, tes bagues aussi. Ok. Wow, putain, monte bien s'il te plaît, ok? Donc, du coup, celle-là, combien celle-là? Alors, celle-ci, bah, je l'ai volée à ma mère. Ok. Prix? Prix, je sais pas, mais je sais que c'est de l'argent et c'est une vraie pierre, donc. Ça peut augmenter quand même. Est-ce qu'il y a 500 balles? Sur. Mets-toi. Non, 500? Non, quand même pas, je pense pas. Ok. Celle-ci, je l'ai acheté à Stalingrad, donc 20 balles. 20 balles. 20 balles. Celle-ci, c'est mon petit frère qui me l'a donné, mais entre 15 et 30 balles. Okay. Celle-ci, elle m'a coûté 60 euros. Celle-ci, c'est une Gucci. C'est beaucoup de bagues, hein. Ouais, je sais. Celle-ci, c'est une Gucci. Elle m'a coûté 100 balles. 100 balles, putain. Celle-ci, c'est une Asos que mon frère m'a donné, donc c'est pas cher. Ça, c'est une Six jaune, 30 balles. Et ça, on me l'a donné, donc j'estime pas le prix, mais voilà, c'est tout. Et après, j'ai. Ah, et ta montre, combien ta montre? 200 balles. Et du coup, là, je pense qu'ici, là, on arrive à 300-400 balles. Ouais, il y a moyen. Ça vient seulement là. Il y a moyen 400 balles. Là, tu coupes la main et tu fais un peu de thune quand même. Oui, il y a moyen 400 balles sur ma main. Bon, maintenant, on va passer du coup au vêtement en fait, parce que c'est un peu le but. Okay. Ton pull. Je viens d'acheter, mais j'aime pas, c'est Bershka. Donc en gros, il m'a coûté 12 balles. Je voulais un col roulé, du coup. Bershka, ok. Chez les femmes. Et celui-là? Ça, je l'ai acheté en friperie, je l'ai acheté 10 balles. 10 balles. Et du coup, ouais, c'est pas mal. Et c'est après. Et tes chaussures? Je l'ai payé 169. 169, ok. Ouais. Et ta petite. C'est banane aussi? Nispack, ouais. C'est une Nispack. 39 balles. 39 balles, ok. Okay. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Bah, en tout cas, merci à toi en tout cas. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Voilà, donc dites en commentaire le prix de vos sapes, voilà, dites en commentaire tout. Et ne montez pas, bien sûr. Voilà, Nya pouce bleu et Team Nyamangulu hashtag. Partagez, commentez et à très bientôt. Tu connais. Ciao.